tout cas, laissez-moi vous le dire, c'est spécial. C'est comme de faire le pont entre nos appartements, faire ma routine en bas, par vous à travailler en haut, à cause des rénovations. Fait que, ouais, c'est pas évident. Je vais voir ma petite copine, juste ma qui pis tout. Petite bande de merde. Je viens tout me détoupéter. Ah, c'est un œil. Ah, je vais aller bientôt, je m'attire. Ça n'a pas mangé, même pas mangé. Oh putain, mon ami m'appelle. Je sors de chez la psy, elle m'a trouvé très bonne. Parce que la semaine passée, je dis, hey, faut que je déménage. Puis une semaine plus tard, je dis, ouais, j'ai trouvé une place. Elle me trouve bonne en esti, mais je dis, hey, je suis brûlé, mais. Pas de routine, routine déstabilisée, transition. Transition d'appartement. Qui sont mes mini-stuff en même temps. Elle m'a trouvé bonne. Elle a dit, je saurais même pas quoi vous conseiller. J'ai dit, tu sais, j'ai cette capacité-là de répondre rapidement parce qu'il y a un problème, mais c'est que ça fait que ça m'épuise. Fait que là, je suis fatigué. C'est sûr, c'est pas évident. Fait que je vais raconter l'histoire de ma soeur aussi, qui aime beaucoup. M'utiliser comme argument auprès de ses amis, tu sais, pour se rendre intéressante. Ça a toujours été de même. Quand j'avais un ben, tu sais, genre, ah, oh, mon Dieu, t'as un ben. Ah, oh, mon Dieu, hey, trans. Puis là, après ça, quand ça fait plus son affaire, là, c'est de la jalousie. C'est, ben, c'est sûr, d'abord, je vais changer de sexe, d'abord, pour que vous me donniez de l'attention. Non, c'est pas ça. C'est parce que t'es pas bien dans ta vie. Fait que, ah, oh, c'est bon. Fait que, c'est ça, je compte des histoires familiales, puis... ma soeur toxicomane, puis comment qu'elle réagit, puis l'influence. Comment déjà? Si tu savais ce que ta présence nous impose, alors c'est ça. Fait que le fait d'être avec ma famille, ben, d'habiter avec eux autres, ben, ça m'impose des choses que je devrais pas prendre sur mes épaules. En tout cas, ma psy, elle trouve que je réagis bien face aux problèmes, face. Tout ce que je vis. Même si je fais un peu d'autodestruction, je fume du pot le matin quand je suis pas censé parce que je vais avancer dans un sevrage. Une diminution de mes faits. Mais, ça va bien, donc. Je fais mon mieux, je fais mon possible. Puis, j'ai dit, je fais dans la mesure du possible, dans la mesure de l'énergie que j'ai. T'sais, j'ai dit, trouver un appartement, j'aurais pas été capable. Fait qu'il faut que j'aille en coloc, c'est ça. Parce que sinon, je passerai pas au crédit, puisque je viens de signer ma proposition. Ah, tu sais, j'y parle aussi de tous ces détails-là. Qu'on comprenne bien, puis qu'elle fasse ça. Ah, ouais, c'est vrai, Mélodie. C'est vrai que t'as pas 1000 possibilités. Puis t'as bien réagi par rapport à ce manque d'opportunités, ce manque d'argent, ce manque d'essayer. Tu vas t'éloigner de ta famille pour te débarrasser d'un problème. Tu vas aller avec quelqu'un de familial puis de coopératif pour s'entraider. Oh, dit Chris de Mongol. Est-ce que tout le monde roule à sens inverse? En tout cas, je me trouve bonne en estime. De gérer des affaires quand t'es incapable. J'ai besoin d'aide, puis je fais tout moi-même. C'est tout le temps de même.
Depuis ma démarche d'aide, c'était ça. J'ai besoin d'aide, mais c'est tout le temps moi qui fais tout. Je brûlerai encore. Fait que c'est ça. Retourne à la maison. Fais une petite puff gamer vers un son. En espérant que c'est possible. Fait que, voilà, c'est pas facile pour moi ce temps-ci. Pas évident. Dans les trans, en transition, puis faire une transition d'appartement, puis tu sais, je suis en recherche d'emploi, mais, tu sais, je sais pas comment ça va se passer la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, j'ai pas de rendez-vous avec ma psy pendant 2 semaines, donc je suis comme un peu laissé à moi-même pendant 2 semaines, sans soutien psychologique, mais elle m'a dit, s'il y a de quoi, Mélodie, tu peux appeler, là. Ça fait que s'il y a de quoi, je vais téléphoner. Ah. C'est tellement brûlant, tout ça, là. Pour vrai, là. J'ai dit, tu sais. J'avais pas le temps de niaiser. Je me suis trouvé à une autre place parce que. Il y avait rien de mieux. Puis... pour moi, là. Tu sais, je. Des opportunités que je pourrais avoir si j'emménage dans une coopérative. Je ne sais pas, je vais me rapprocher de la ville, je vais peut-être me faire une blonde, je sais pas. Puis tu sais, aujourd'hui, là, tu sais, souvent, il y a l'expression, tu sais, des red flags en dating. Tu sais, quand il habite encore chez ses parents, tu sais. T'as souvent des histoires de même, des hicks, là. Ah, oh, si la personne, elle habite encore chez ses parents. Mais la réalité en ce moment, c'est que le monde, la génération Y, ont de la misère à se loger, ont de la misère à accéder à la propriété. C'est pas une question de... Tu sais, avant, je me mettais tout le temps la pression sur le dos, mais... à pas être rendu là. Mais se rendre là, c'est impossible. C'est impossible selon les calculs, selon les salaires, selon le prix des loyers. Non, c'est impossible. Pour une personne dans la trentaine d'accéder à la propriété si elle n'a pas épargné déjà depuis l'adolescence. Dans ma situation, c'est ça. C'est d'accepter que je peux pas être rendu là. Puis de redescendre une couple de marches. Elle a trouvé que ma réflexion était crissement bonne, puis que j'étais organisé dans ma désorganisation, là, tu sais. Ça m'a rendu fier de savoir que les choix que j'ai faits rapidement, en quelques jours, puis de tous les efforts que j'ai mis en quelques jours, de vider des chambres, de trier du stock, de commencer déjà. Mais j'ai dit, tu sais, je veux pas me mettre de la performance. Le but, c'est pas... mon déménagement, c'est pas de la performance. Ça va se faire au mois de mai, là. Entre-temps, je vais avoir le temps de faire le ménage dans mes affaires. Savoir qu'est-ce que j'amène, qu'est-ce que j'amène pas. Puis réfléchir à mes limites aussi, puis mes boundaries. Fait que... est-ce que je vais avoir un talk avec moi, avec le futur coloc? On va parler qu'est-ce que... c'est quoi notre style de vie chacun, puis essayer de trouver un... si lui, il travaille, fait que... il a pas besoin de la salle de bain le matin, mettons. Si lui, mettons, il se lave le soir. Il y en a qui se lavent le soir. Même si tu sues dans la nuit, je trouve que... se laver le soir, je trouve... pas beaucoup de sens, mais bon. Fait que, si on a toutes des habitudes de vie différentes. Moi, je me lave le soir, fait que c'est fait le matin. Ben oui, toi. Fait que... des belles choses s'en viennent pour moi, c'est juste dur en ce moment. T'sais, c'est comme une phase là, de transition, d'acceptation, déménagement. C'est une autre affaire, tu sais. Cette chaîne-là a su ma transition.
mais c'est aussi mon développement. Puis je le dis souvent, je suis pas chanceuse dans la vie. Puis ben, c'est encore une autre preuve. Puis c'est ça. Puis je veux m'éloigner de ma famille. Là, c'est trop dur d'être. Si d'être avec ma famille, c'est de vivre ma soeur. Ben. Tu sais, c'est trop dur. Là. Je peux pas. Je suis en démarche pour avoir de l'aide, puis de voir quelqu'un qui s'aide pas hors soude, de même, puis déplacer de l'air. Hein. Non. Fait que j'ai bien fait de partir avec quelqu'un dans l'esprit de collaboration, de parler de nos limites, puis j'ai hâte de vous montrer. C'est très beau là-bas, là. J'ai hâte de vous montrer ça. Bon, ben, à plus tard, merci de me suivre. C'est toujours facile. Bye. Petite dernière chose ici. Tu sais, sur YouTube, là, tu peux bloquer des users. Puis, dans le fond, tant aussi longtemps que une certaine personne ne m'écrira pas un commentaire ou quelque chose, je pourrais pas savoir c'est quoi son user. Puis, si jamais un jour, j'apprends c'est quoi ton user, je vais te bloquer. Mais sert à la personne qui utilise ce qu'elle voit sur cette chaîne, qui est dans le but de moi me sentir bien et faire des bons partages. Il y a des personnes qui utilisent ces vidéos, qui leur perception n'est pas bonne et qui pensent que je suis toujours en train de me filmer, mais c'est pas vrai, pendant là. Ça fait 3-4 jours là, que je fais rien, hein, tu sais, que j'ai de la misère et que je struggle. Fait que je suis pas toujours en train de me filmer et de me mettre belle, là. Tu sais. Fait que la journée où est-ce que je vais voir c'est qui le user, là, je vais te bloquer. Tu sais que je te parle. Parce que moi, là, pas besoin de quelqu'un là, qui a des problèmes dans la vie et qui me jalouse. Qui me jalouse pour rien, en passant. Hein. Je perds mon appart. Là, j'ai pas. Ma carrière, c'est voyons, jalousie quelqu'un pour rien. Voyons, estime, ma soeur. Écris-moi donc un commentaire que je te bloque, là. Ah, t'es belle, ma soeur. Ah oui, tu te bloques. Donc, c'est ça. Il y a aussi ma soeur qui me renvoie des affaires. Je vais changer de sexe d'abord si c'est ça que ça prend pour avoir votre attention. Je te suggère pas. C'est super difficile. C'est comme avoir un enfant. Tu le gardes, tu sais. C'est drainant. Tu es en puberté, là. C'est pas quelque chose que tu peux dire comme ça, là. Oh, ne pas, je vais changer de sexe. Comme ça, vous allez avoir de l'attention, puis le monde va m'aimer. Non! Et juste des bonnes habitudes, puis des bons comportements, puis le monde va t'aimer, c'est-tu? Puis arrête de penser juste à ton estime nombrée. Arrête d'avoir des estimes mécanismes de merde pour aller chercher, profiter, avoir de l'argent, frapper dans la nuit. Arrête ça. Oh. C'est ça, je subis aussi des choses que je devrais pas subir en vivant. Il faut que je déménage. C'est pour ça que je me sens pas mal de déménager. Parce que je sais que c'est un petit problème que moi, tout, j'étais que. Déménage tout pour se débarrasser de nos petits problèmes. Si t'écoutes ma vidéo, là, ben c'est sûr. On déménage tout là à cause que t'es un petit problème. Débarrasse tous tes petits problèmes. Nous, on n'a pas besoin de tout, nous autres. Dans la vie sérieuse. Fait que travaille sur tes comportements. Reste le plus longtemps possible. Trouve des ressources pour t'aider parce que sérieux. Je suis capable. Salut. Une autre affaire. Hier, je suis allé faire des commissions avec ma nièce. On a eu full de fun. Sur moi, c'est positif. Je t'allais acheter un livre aussi, Le piège du bonheur. Le piège du bonheur. Comme le faux bonheur. Tu sais, que le monde se crée. Le bonheur. Tout le monde a une vision du bonheur. Avoir une maison, un chien, la carrière. De se sentir honteux lorsqu'on n'est pas capable d'accéder à tout ça, tu sais. Ouais. Mais. Je suis vraiment le fun avec ma nièce hier. C'est une belle journée. C'est fun. Puis tu
de m'accrocher au positif, tu sais. C'est ça qu'il faut. Ouais. J'ai envie de m'évader. Fait que c'est ça. La vie continue. On prend ça un jour au jour le jour. Je vais lire mon livre, gamer, puis faire le tri dans mes choses. Tranquillement, me préparer à déménager pour savoir qu'est-ce que j'amène. Fait que j'aimerais ça faire un peu comme dans mon ancienne. J'ai déjà été chambreuse plusieurs fois. Fait que je vais amener à peu près le même kit là, c'est ordi. Ordi, meubles, vêtements, lit, guitare de reposer. Puis, pas mal ça, ouais. Ouais, ouais. C'est important que j'ai un meuble pour pouvoir tout mettre mes choses. Puis d'avoir un grand garde-robe pour mettre tous mes vêtements. Pouvoir mettre une coupe de guit aussi dans le garde-robe. Puis en dessous de mon lit, mettre aussi, entreposer quelques petites choses en dessous de mon lit, comme je faisais avant. Fait que... c'est vraiment de réduire la quantité d'objets, la masse volumique de Mélodie. T'sais, il y a des choses que j'ai construites à cause du surplus d'espace que j'avais. Puis ben, malheureusement, c'est un gaspillage de cash. Mais c'est pas grave, car je vais essayer d'entreposer quelques petits bidules, pareil, des choses que je veux pas me débarrasser parce que je trouve qu'ils coûtent cher. Des affaires Ikea ou des tapis de mousse, des petites affaires, tu sais. Je vais essayer de garder des choses entreposées chez mes parents. Mais le problème, c'est qu'ils entreposent déjà des affaires pour ma soeur. On va être capable de trouver un peu de place. Je l'espère. Fait que, je suis tanné, c'est que ça aille mal de ce temps-là. Mais tu sais, j'ai même pas le temps de m'occuper de ma transition. Au moins, je me suis lavé les cheveux, j'ai coupé les cheveux, tendu, puis ça me va bien, hein, au moins. J'ai pensé un peu à moi pareil. Ça va être dur, déménagement. À venir. Selon mes capacités. Puis mes capacités, j'en ai plus. C'est pas grave, on lâche pas. Merci pour votre écoute, sérieux. Là. De ce temps-là, c'est pas évident. Hein, puis... c'est une chose après l'autre, puis ça m'énerve. Puis... c'est tannant. Voilà. Retourne dans mes affaires. Puis j'aimerais faire une capsule un petit peu plus transitionnesque, là, tu sais, faire bon, ok. Parce qu'il m'arrive des choses par rapport à ma transition. Genre que mes seins continuent de pousser. Puis ça me rend un peu inconfortable, mais je suis contente parce que après quasiment 500 jours, mes seins continuent de pousser. Fait que ça me rend vraiment heureuse parce que j'étais comme pogné. Hier, je les ai regardés puis j'ai trouvé plus gorgé. Fait que quand même. Fait que j'aimerais ça faire une vidéo un petit peu plus au sujet de ma transition. Plutôt que de mes problèmes puis ma psychothérapie puis tout. Fait que, mais c'est pas de ma faute. Il m'arrive des choses. Puis ben, ces vidéos-là, c'est une archive. Puis je veux savoir, tu sais, je me réécoute puis je vais au travers. Je vois au travers quelque chose j'ai traversé pour pouvoir en arriver où je suis. C'est une évolution mentale plus que physique ces temps-ci. Fait que il y a le mental aussi qui est important. C'est ça. Je vais vous parler dans un meilleur contexte.
le sujet trans-related. Merci beaucoup. Merci, j'ai toujours de quoi dire, mais faut que je décroche, là.